Bonjour et bienvenue sur VideoExcel.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la fonction choisir. Bien, il faut dire déjà que la fonction choisir permet en fait de choisir un élément en fonction d'un numéro d'index dans une liste de valeurs. Donc nous allons voir comment. Ici nous avons donc des chiffres d'affaires pour l'année 2009 et pour 2008 avec ici les différents mois. Ici nous avons créé différentes listes déroulantes au niveau du mois, donc les trois premiers mois, hein, janvier, février, mars. Ici au niveau des trimestres, 1, 2, 3, 4, et ici au niveau des années, 2008 et 2009. Donc ici en A6, nous allons faire apparaître donc le mois correspondant au numéro indiqué ici en A4. Donc quand j'aurai 1, je devrais voir ici apparaître janvier et ainsi de suite. Ici février, voilà, et ainsi de suite. Donc égal choisir. Ensuite le numéro d'index, et bien entendu, ça va être le contenu de la cellule A4. Et autre argument, ça va être eh bien, les différents mois. Donc ici, je n'oublie pas les guillemets car j'intègre du texte. Ensuite, donc février. Bien entendu, attention faute d'orthographe, sinon on n'aura pas le bon mois indiqué. Et le mois de mars. Voilà, je ferme la parenthèse et je valide. Donc ici, j'ai bien février qui correspond donc à 2, ici j'ai bien le mois de janvier et là le bon mois de mars. Ici on a 8, on va indiquer le chiffre d'affaires correspondant donc au mois indiqué ici. Donc égal choisir. Et bien mon numéro d'index est bien entendu toujours le contenu de la cellule A4. Ici les valeurs, et bien ça va être les montants de mes chiffres d'affaires. Donc je les sélectionne au fur et à mesure, voilà. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc pour le mois de mars, j'ai bien 16 000 et 10 brouettes. Donc tout va bien. Si j'indique ici le mois de février, j'ai bien 42 000 et 10 brouettes. Et le mois de janvier, bien entendu, 27 000. Donc tout va bien. Ici en B9, on va indiquer donc le chiffre d'affaires trimestriel. Le principe va être le même, sauf que nous allons faire des sommes. Nos valeurs seront des sommes. Donc égal choisir. Donc le numéro d'index, bien entendu, c'est en fonction du trimestre choisi ici. En B4. Ensuite, eh bien, les valeurs vont être des sommes. Donc, somme, eh bien, premier trimestre, ça va être donc de E3 à E5. Je ferme la parenthèse, point virgule, j'indique ma deuxième somme, mon deuxième trimestre, et ainsi de suite. Voilà. Ici, je passe par ici puisque je n'ai pas accès à cause de ma formule. Et je n'oublie pas donc ici mon quatrième trimestre. Voilà, j'ai fermé la parenthèse pour la fonction somme, je ferme la parenthèse pour la fonction choisir et je valide. Et j'ai bien ici par exemple ici pour le premier trimestre, alors on va le voir. Donc on va écrire ici somme automatique, on va prendre ces trois chiffres là, le premier trimestre, on valide. On a bien 85 907 et des brouettes. Ici si je choisis le trimestre 3, j'ai 110 000. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ma sélection pour prendre mon troisième trimestre. J'ai bien 110 884, donc tout va bien. Ici, on va choisir donc en fonction de l'année. On va donc obtenir donc le chiffre d'affaires annuel. Donc, égal choisir. Par contre, ici, le numéro d'index ne va pas être un numéro que l'on va directement inclure dans la formule. Nous allons faire un calcul. Donc, pour cela, on va prendre le contenu de la cellule C4 et on va enlever ici 2007. Alors pourquoi cette astuce? Car si on fait 2008 moins 2007, ça va nous donner 1, ou alors 2009 moins 2007, ça va nous donner 2. Donc ici on aura ou bien 1 ou bien 2. Et ensuite, en fonction de ce numéro d'index, on va pouvoir prendre la première valeur ou la deuxième valeur. Donc ici j'ai indiqué C4 moins 2007. Ça veut dire que je vais avoir ici, je vais le calculer, donc je souligne mon bout de formule, touche de fonction F9, ça me donne 1. Donc ici, pardon, alors pour le retard, c'est pas grave, je vais trop vite, choisir donc contenu donc C4 moins 2007, voilà. Donc ici, je vais avoir 1, donc la première valeur. Donc 2008 que je vais indiquer ici, voilà. Et dans le cas contraire, eh bien ce sera cette cellule-là, donc le total de l'année 2009. Je ferme la parenthèse et je valide.
Alors bien entendu, pour l'instant, je n'ai rien puisque je n'ai pas indiqué ici de Toto 2009 et 2008. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais dans l'onglet Accueil, je clique sur le bouton Somme automatique, je valide. Pareil ici pour 2008 et je valide. Donc ici, je vérifie. Si je choisis l'année 2009, j'ai bien ici 360 000 et des brouettes qui correspond bien à mon total de l'année 2009. Si je prends l'année 2008, pareil, les 359 000 et des brouettes que je retrouve ici. Donc tout va bien. Donc je rappelle la petite astuce ici pour l'année 2008 ou 2009, c'est de prendre le contenu de la cellule C4 et d'enlever 2007. Pourquoi ? Pour avoir ou bien un numéro d'index égal à 1 ou un numéro d'index égal à 2 en fonction de notre choix ici en C4. Car 2008 moins 2007 égale 1 ou alors 2009 moins 2007 égale 2. Voilà. Et bien maintenant, vous savez comment utiliser la fonction choisir.